Mon petit Palawan, une vidéo un peu différente aujourd'hui. Je dois admettre que je suis un vrai geek des matériels d'entraînement. Et là, j'ai un nouveau joujou entre les mains que je n'ai pas encore déballé. Et donc, je vais déballer en direct devant toi ce nouveau joujou. Et tu vas voir si c'est quelque chose qui me plaît déjà, parce que je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne sais pas si ça va me plaire et qui pourrait aussi te plaire également et t'apporter quelque chose dans tes entraînements. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu? Donc déjà, je vais t'expliquer comment ça s'est passé. C'est une marque qui s'appelle Everjump qui m'a contacté. Et donc, souvent, je reçois des propositions de tests de matériel et tout. Et 9 fois sur 10, je vais dire non, ça ne m'intéresse pas. Et souvent, c'est des produits que, voilà, que je trouve qui n'ont pas l'air bien. Là, ils ont piqué mon intérêt et c'est quelque chose qui correspond. Donc, je leur ai dit, envoyez-moi si vous voulez. Par contre, je vous préviens d'une chose, c'est que je ne peux pas vous garantir que je vais dire que c'est bien. Je ne peux pas vous garantir que je vais le présenter si ça ne m'a pas l'air bien. Donc là, je prends un risque dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore ouvert. Initialement, ce que je voulais faire, c'était l'ouvrir, regarder, tester et en parler ensuite. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa qu'on fasse ça ensemble, que tu vois comment c'est présenté et tout ça, et que je découvre face à toi et que je vois en fait si je trouve ça bien ou pas. Donc, qu'est-ce que c'est? Je te parlais de faire du neuf avec du vieux. Parfois, c'est bien. Parfois, c'est bullshit. Donc là, en fait, c'est une corde à sauter. Donc, c'est ce que j'appelle du vieux. Mais ça a fait ses preuves. On sait que la corde à sauter, tous les boxeurs, beaucoup de pratiquants de sports de combat et d'arts martiaux en font. Ça aide énormément pour le travail d'endurance, pour l'endurance aussi musculaire au niveau des appuis et tout. Pour la dextérité, on peut faire plein de choses. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé une corde à sauter connectée. Donc, on peut venir connecter à son téléphone la corde à sauter. Et puis, il va y avoir dans l'application, d'après ce que j'ai compris, je n'ai pas encore regardé, des entraînements qui vont nous permettre de travailler différents types d'endurance. Donc, ça peut être, je trouve, hyper sympa. Et à côté de ça, ça existait déjà, je m'étais déjà intéressé à ce système de corde à sauter. C'est des cordes où on peut varier le poids des poignets pour les lester plus ou moins. Et c'est quelque chose que j'avais longtemps hésité à acheter. Et puis finalement, je suis resté sur ma corde à sauter classique. Donc, on va se lancer dans le déballage et on va voir ce que ça donne. C'est toujours quand tu déballes devant la caméra, tu sais que tu vas galérer avec le déballage. Ok, donc on a 3 étapes, c'est marqué en anglais, mais grosso modo, les 3 étapes, c'est prends tes cordes, télécharge l'application et kiffe tes entraînements. Jusque-là, tout va bien. La corde, donc une corde bien épaisse qui va pas, voilà, qui va pas s'abîmer rapidement en tout cas, qui pèse quand même son poids. Et ici, les poignets. Boum, ça, on retire. Donc, et ça, je vais voir si j'en ai encore besoin, mais après, on va retirer. Ce serait dommage de mettre un coup de cutter dans le tapis. Donc, on va ouvrir. Et on va voir ce que ça va donner. Bon, comme toujours, tu galères quand tu veux aller vite. Donc là, ce qui est bien, c'est que tu as un scratch aussi pour ranger ta corde, la replier et la faire tenir. Ça, c'est une bonne idée. Je valide. A priori, il y a marqué médium, donc je dois avoir la taille médium. Il y a peut-être plusieurs tailles de corde après. Tac, déplier la corde. Et ici, on va ouvrir ce petit paquet qui fait, on dirait presque un emballage de téléphone, je trouve. Tac, c'est très, très quali, très bien fait. Hop. Donc là, on a les cordes, enfin les poignets, pardon, qui sont stylés. Alors, en termes de matière, c'est une matière un petit peu rembourrée avec... il a une texture dessus pour que ça glisse pas, mais du coup, c'est assez agréable. Hop. Ah ouais, il y a une deuxième corde, en fait. Vraiment, je découvre. Hein. Là, je t'avais dit, j'ai même pas regardé sur le site le contenu, ce qu'il m'avait envoyé, ce que c'était et tout ça. Je me suis dit que ce serait bien de découvrir vraiment en direct, d'avoir une vraie... spontanéité de ne pas faire semblant de découvrir. Attends, non, il y a encore quelque chose ici. C'est là que je trouve, hein, ça fait vraiment téléphone portable, les emballages de téléphone portable. Ok, et là, on a le cordon pour recharger. Hop,
et des petites clés Allen. Petites clés Allen qui doivent être pour serrer la corde. Moi, je ne suis pas un fan des grosses cordes épaisses. Je trouve ça plus sympa de travailler la vitesse. Donc, je vais plutôt aller sur... Enfin, du moins, je ne suis pas un fan, c'est que j'ai surtout l'habitude de... des petites cordes. On travaille plus la vitesse. Donc là, ok. Ah oui, je vois que les clés, là, ça doit être pour démonter, peut-être si on a un jour à changer la corde, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, parce que visiblement, j'en ai pas spécialement besoin, en tout cas pour les mettre. Et pour les défaire, si j'appuie et je tourne, je peux ressortir. Donc c'est assez facile. On rentre dedans et on tourne, on aligne les trous avec les trous de la poignée et c'est mis en place. Ok, donc ça, c'était la première étape. Maintenant, je vais aller chercher mon téléphone pour connecter le tout. Détail auquel je n'avais pas pensé, c'est que peut-être il faut les charger. Alors j'espère qu'elles sont préchargées, sinon je ne vais pas pouvoir les utiliser en mode connecté. Et je vais devoir arrêter cette vidéo, charger et continuer plus tard. Alors pour gagner un peu de temps, j'ai installé l'application qui est disponible sur Android et sur iPhone. Et j'ai créé mon compte. Maintenant, il y a une version gratuite et une version premium. Moi, il m'avait dit qu'il me mettait en premium pour que je puisse tester toutes les fonctionnalités. Mais il me semble qu'en version gratuite, il y a déjà pas mal de choses. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de connecter. Je n'ai pas regardé le mode d'emploi. Donc, on va voir si c'est intuitif ou pas. Alors, il faut que je mette le Bluetooth, évidemment. Voilà, ça a trouvé les poignées directement. Elles ont un nom. Est-ce que je peux changer le nom? Bon, je vais appairer pour l'instant. Voilà, il y a un petit bruit qui m'a dit « c'est bon, c'est appairé ». Il y a une ID des poignées. Je n'ai pas l'impression qu'on puisse personnaliser le nom, mais ce n'est pas très grave. Et voilà, je suis connecté. Maintenant, je crois qu'il ne reste plus qu'à tester l'application. Ce que je peux faire, c'est que je vais essayer de te montrer un petit peu l'application sur le téléphone pour que tu aies un aperçu. Donc là, on est dans l'application. Il y a énormément de programmes. Là, je peux scroller pendant longtemps comme ça. Ça n'en finit pas. Donc souvent, c'est des programmes soit que à la corde, mais il y a aussi, j'ai l'impression, des programmes avec du poids de corde, la muscu, plein de types d'entraînement différents, du Tabata et compagnie. Ce qui est bien après, c'est qu'il y a aussi des tutoriels pour les débutants, comment sauter et tout ça. Donc ça, c'est une très bonne idée. Ça peut aider quand on sait, il y a des choses qu'on ne sait pas faire. Ensuite, il y a des défis. Donc ça peut être sympa aussi de se lancer des défis, défis débutants, défis Tabata et compagnie. Ensuite, il y a les drills. Donc ça, ce sera plus quand on veut faire des entraînements plus libres. Donc le time attack où là, on va devoir faire le maximum de sauts sur une durée. Donc on choisit la corde qu'on veut et la durée, on a 30 secondes, 1 minute ou 5 minutes. Et l'application va enregistrer le nombre de sauts qu'on fait. Comme ça, on peut essayer de battre son propre record avec le temps. Le countdown, ça c'est pas mal aussi. Donc on a en fait un nombre de sauts fixe qu'on choisit. Et il faut essayer de le faire en le moins de temps possible. Il y a aussi le mode freestyle. Donc là, c'est vraiment de l'entraînement libre. Et l'application va suivre le nombre de sauts qu'on fait, le nombre de calories qu'on brûle et la durée de la séance. Donc ça peut être intéressant de, quand on veut se faire un truc libre, mais en même temps avoir un peu des infos sur ce qu'on a réussi à faire dans la séance. Et je sais que, en tout cas sur Android, mais je suppose qu'il y a l'équivalent sur iPhone, on peut aussi synchroniser avec Google Fit. Donc je pense que si on a un cardio-fréquence-mètre ou des données et tout, tout peut se sauvegarder et communiquer aussi avec Google Fit. Allez, on va passer maintenant au test. Allez, on va faire un petit test de la corde. J'ai jamais suivi ni même compté vraiment le nombre de sauts que je peux faire dans une séance. Il y a une époque où je faisais pas mal de cordes. Je regardais juste la durée, je surveillais des fois mon rythme cardiaque avec un cardio-fréquence-mètre. Mais je n'ai jamais trop compté le nombre de sauts que je faisais. Je fais des choses assez basiques, hein. Je ne fais pas des acrobaties avec la corde. Ici, je crois que ça va taper un petit peu sur les poutres pour le départ, mais après, ça devrait aller. Donc, je vais lancer l'application. Là, on a 15 secondes pour se mettre en place. Hop, là, je suis sur 125 grammes, donc c'est la plus légère. Donc, je vais commencer par des sauts basiques, ils disent, mais je vais voir ce que je vais faire.
Je crois que je vais faire comme j'ai envie. Donc théoriquement, si je veux changer, là, je peux changer. Lui m'a demandé de faire des sauts basiques, mais ça, il ne peut pas savoir ce que je fais, je pense. Les poignées sont agréables. La corde est quand même, c'est la plus légère, mais c'est plus lourd que ce que j'ai l'habitude. Moi, j'ai vraiment l'habitude des cordes en câble, donc qui sont très rapides, très légères. Je ne cherche pas vraiment à travailler l'endurance de mes épaules en général avec la corde. Hop, 91 sauts. Donc voilà, là c'est juste un petit test. Je peux faire pause. Et ensuite, mettre fin à l'entraînement. Est-ce que j'ai aimé mon entraînement? Je vais dire que oui. Suivant. Et puis là, ça me propose d'évaluer Everjump. Et à la fin, donc je sais que j'ai fait 1 minute 04, hein, donc c'était rapide, 91 sauts et que j'ai brûlé 18 calories. Après, ça me dit que j'ai fait des sauts basiques, mais ça, en réalité, quand t'es en mode freestyle, je pense que tu fais ce que tu veux. Et après, ça va sauvegarder ce que j'ai fait. J'ai un endroit où j'ai mes statistiques, combien de temps j'ai fait d'entraînement, quel type d'entraînement et tout. Donc, c'est sympa pour se rappeler ce qu'on a fait et voir sa progression. Alors, verdict, cette corde Everjump, est-ce que j'achèterai ou pas? Alors, je pense que j'achèterai. Je la trouve vraiment qualitative. Les poignées sont hyper agréables. Le fait de pouvoir quand même changer la taille de la corde, c'est sympa aussi. Ça peut te permettre de varier les entraînements et de varier du coup la résistance, le travail des épaules et tout ça. Le type d'entraînement que tu vas faire, plus axé sur la vitesse, plus axé sur l'endurance et tout. Donc ça, c'est quelque chose vraiment que j'avais déjà regardé. Je ne sais plus comment s'appelait la marque américaine qui avait créé ça. Au départ, ils avaient des sets avec 5 ou 6 cordes différentes. Et donc, j'étais pas loin de l'acheter, mais ça coûtait vraiment hyper cher. Je crois que le set complet coûtait 400 €, un truc comme ça. Donc, je trouvais que pour une corde à sauter, c'était beaucoup trop. Là, je trouve que les prix sont plus raisonnables, mais ça reste quand même élevé. Donc, si tu prends une version non connectée, je crois que c'est dans les 60 € à peu près, le set avec poignée et 2 cordes. Maintenant, si tu veux la version connectée, et je crois la version que moi j'ai reçue avec 2 cordes, c'est dans les 160 €, je crois qu'il y a une promotion en ce moment, et tu as la version avec une seule corde à 129 €. Tu as l'application en accès gratuit, il y a déjà pas mal de choses dessus, et après tu as aussi l'option bien sûr de t'abonner. Donc tout ça, ça a un coût. Maintenant, est-ce que ça vaut le coup justement ou pas pour toi? Ça, c'est à toi d'y répondre. Est-ce que la corde à sauter, ça va être un moyen pratique? Parce qu'il y a quand même ce côté-là pratique, c'est-à-dire que ça, c'est pas comme un vélo d'appartement, ça peut être sympa, tu vois, mais c'est pas, ça prend de la place, c'est beaucoup plus cher en général, et tu ne peux pas l'emmener partout avec toi. La corde à sauter, ça a ce côté pratique. Si tu as un minimum de place chez toi, tu peux en faire. Tes voisins vont peut-être pas adorer, mais c'est quand même, c'est quand même assez sympa. Tu peux sortir, aller t'entraîner dans la nature, où tu veux, dans un club, peu importe. Mais ça peut être un excellent complément et un super moyen d'améliorer ton endurance, aussi bien au niveau cardio du cœur que ton endurance musculaire, surtout des appuis. On sait que c'est ce qui fatigue le plus et le plus vite en boxe, quel que soit le type de boxe, quel que soit même le type de sport de combat. La plupart du temps, c'est les jambes qui se fatiguent en premier, les appuis, on commence à être moins mobile et tout. Et la corde à sauter, on sait que ça aide énormément pour ça. Donc c'est un outil moi que j'affectionne particulièrement et que j'utilise par période. Ces derniers temps, je l'ai moins fait parce que j'avais des douleurs de hanche et donc les sauts à répétition, ce n'était pas idéal pour moi. Mais si tu n'as aucun problème, que tu n'es pas comme moi, c'est vraiment quelque chose que je te recommande d'inclure. Maintenant, si tu veux faire la version pas chère, tu vas t'acheter une petite corde à sauter à Decathlon, tu en as pour deux fois rien, mais tu ne pourras pas forcément faire la même chose. Moi, je trouve qu'il y a un côté motivant aussi d'avoir un suivi de ces entraînements. Il y a une époque où je faisais beaucoup de sacs avec mon cardio fréquence mètre, j'utilisais l'application Polar et ça me permettait de suivre mes entraînements et de voir une progression et puis les moments où j'avais vu que j'avais fait mieux parce que je voyais que j'étais resté plus dans telle zone ou dans telle zone de fréquence cardiaque sur le même type de séance. Je me faisais des séances structurées pour pouvoir comparer dans le temps.
Et donc, c'est un côté motivant d'aller dire, tiens, là, j'ai fait ça. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mieux. Et puis, bah, tu as le retour en direct sur ton téléphone ou sur ta tablette. Tu vois directement ce que tu vas faire. Et donc, tu peux essayer de te motiver à dire, voilà, j'approche de la fin. Il faut que j'arrive à faire mieux que la fois précédente. Donc, c'est un côté motivant qui va peut-être aussi t'aider à te dépasser et donc à progresser. Pour être totalement transparent, j'ai eu quelques petits bugs quand même sur l'application version Android. Des moments où l'application s'est figée. J'ai dû la fermer et la rouvrir. Donc ça, je pense que je leur ferai un retour et peut-être qu'il y aura une mise à jour là-dessus. Mais ce n'était pas parfait de ce côté-là. Pendant le petit entraînement que je me suis fait, c'était assez court. Il n'y a eu aucun problème. Mais il y a des moments où j'ai voulu scroller dans l'application, ouvrir des trucs, revenir. Et à un moment, l'application s'est figée. Donc, je préfère te le dire à l'avance. Peut-être que sur iPhone, c'est différent. J'en sais rien du tout parce que je suis 100% Android chez moi. Et puis, ils m'ont donné également un code promo, comme font tout le temps les marques. L'idée, de toute façon, c'est que tu puisses toi en bénéficier. Donc, le code promo, c'est facile, c'est Grégotte. Et puis, ça va te donner un pourcentage de réduction qui peut évoluer avec le temps. Donc, je ne vais pas te dire exactement combien c'est. Ce sera la surprise. J'étais en négociation avec eux pour essayer d'avoir un meilleur code promo. Pour l'instant, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire de mieux. Donc, en fonction du moment où tu verras cette vidéo, je ne peux pas te dire quel est le pourcentage de réduction que tu vas obtenir avec mon code. Mais en tout cas, tu vas obtenir une réduction. Et c'est toujours sympa d'avoir une petite réduction si c'est un matos qui t'intéresse. Est-ce que ce genre de vidéo te plaît? Parce que l'idée, moi, c'est pas que de toute façon que je me transforme du tout en téléachat. Je vais continuer à refuser 9 propositions sur 10, sauf si je vois quelque chose d'intéressant. Par contre, je m'étais dit que je pouvais aussi te partager un peu plus les outils que j'utilise. J'ai ma salle, il y a plein de gadgets dedans, plein de choses que j'ai achetées. Il y en a que j'ai pas encore testé. Du matériel qui est hyper sympa. Et donc, je me dis que peut-être ça pourrait t'intéresser, ce genre de vidéo, des tests avec un avis 100% honnête et transparent parce que je ne vais pas gagner ma vie du tout avec ça. Surtout si c'est du matériel que j'ai acheté moi-même, je n'aurai pas de code promo, de choses comme ça à te proposer. C'est juste un retour d'expérience sur le matériel. Donc, si tu as envie que je fasse des vidéos comme ça, des tests de matériel, mets-le moi en commentaire que je le sache. S'il y a suffisamment de commentaires, je pourrais en faire d'autres. Et puis, si au contraire, c'est quelque chose qui ne t'intéresse pas, dis ok, non, moi, c'est pas le genre de vidéo qui m'intéresse. Et puis, mets-moi des suggestions sur ce que tu aimerais que je te concocte comme vidéo pour t'aider à avancer dans ta pratique. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.